Vous êtes prêtes pour le camping? Ma mère veut bien nous déposer au parc dès qu'on est prêtes. Je me sens pas très bien. Je vais rester ici. Quoi? Pourquoi, Shani? Ne t'inquiète pas, Shani, tu peux tout nous dire. J'ai peur de la forêt la nuit. Il pourrait y avoir des loups-garous, des yétis-garous. Allez-y sans moi. Je viens d'avoir une idée. Reste là. Super petite. On n'a pas besoin d'aller en forêt pour camper. On a juste besoin d'être ensemble. Qu'en penses-tu, Shani? C'est merveilleux. Et le tout garanti sans Yeti Garou. C'est le plus chouette camping que j'ai jamais vu. Oh. Oui. Wouhouhou. Allez, les filles. Elle est partie là-bas, dans les buissons. Elle est là! Aïe! Je vois la balle, mais je peux pas l'attraper. C'est une mission pour nous, les super petites! Oh, wow! Regardez toutes ces belles choses! C'est un véritable trésor ici. Oh, c'est coincé! Shani, Lila, vous pouvez m'aider? Jetons un œil. On peut peut-être trouver autre chose pour nous aider. J'ai trouvé. Vite, attachez cette branche. Prête? Vas-y, c'est parti. Oui. Super grande. Belle frappe. Elle a atterri pile sur mes genoux. Trop forte. Allez, jouons. Attendez, je peux prendre un selfie avec mon équipe de baseball préférée? On sourit. Chut, Polly, les quatrièmes passent leur examen aujourd'hui, tu te souviens? Il ne faut pas faire de bruit. Désolée, Shani. Les filles, c'est la tuile. Le groupe de musique vient d'annuler. Comment on va faire? J'ai une idée. C'est nous qui allons jouer. Mais Polly, il n'y a que Shani qui sait jouer d'un instrument. Et on ne sait pas chanter. Je ne serai jamais capable de chanter devant toute l'école. Bien sûr que si, Shani. Tu as une très belle voix. Chut. Et nous, on pourra t'accompagner sur scène et jouer avec toi. Tu penses que tu peux nous apprendre à jouer avant le concert de ce soir? Oui, ça devrait le faire. Mais où peut-on répéter sans faire trop de bruit? Je crois que je connais l'endroit idéal. Tada! Chut! Oups, tada! Shani, tu te souviens de la mini-salle de répète que je t'avais fabriquée pour ton anniversaire? Ah oui! Parfait! Il est temps de mettre en pratique nos talents de rockstar. Super petite! Je pense qu'on est prête. Vous avez assuré, mais je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. Tu peux le faire, Shani. Oui, t'es géniale. En plus, on sera sur scène avec toi tout le temps. Ok, je suis prête. Allez les filles, mettons nos tenues de scène. Super grandes. 1, 2, 3, 4. Oh non, c'est horrible! Je promenais mon chien Pumpkin avec les autres chiens que je garde, mais il a vu un chat et il s'est enfui. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas, Lila. Je vais t'aider à le retrouver. C'est le moment d'être super petite! Waouh! On voit toute la ville d'ici.
Oh, c'était quoi? Cet oiseau bleu est juste derrière nous. Je vais manœuvrer pour lui échapper. Ah, voilà pourquoi elle nous poursuit. Excusez-nous, mademoiselle J'ai bleu. Elle ne peut pas t'entendre, Polly. Tu as raison, il faut que je me rapproche. Excusez-nous, mademoiselle J'ai bleu. On ne voulait pas voler si près de votre nid. On recherche un chien égaré. Super grande! Pumpkin! Te voilà! Merci, mademoiselle J'ai bleu. Merci, Polly, de m'avoir aidé à le retrouver. Pas de problème, Lila. Les amis sont là pour ça. Il faut qu'on remette le thermostat au milieu. Mon lance-ventouse! On va devoir trouver un autre moyen pour arriver en haut. Polly, c'est la cata! Raz-de-marée! Les filles, à vos planches! Quoi? Montez sur un bâtonnet! On va surfer jusqu'au thermostat! C'est parti! Oui! Nicolas, que la machine à glace est réparée. Super grande. Les filles, vous avez tout raté. Le chariot de glace a fait plein de bruits bizarres. D'abord, et puis, wouh. Et maintenant, la machine remarche. Quel mystère. Je pense que c'est l'œuvre d'extraterrestres. On dirait que tu as bien enquêté. On mange une glace pour fêter ça? Je n'ai pas encore résolu le mystère paranormal. L'enquête est gelée. Vous avez compris? Je l'ai. Nicolas. Nous voici à l'endroit où une force mystérieuse a complètement gelé cette machine à glace. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Tu sais bien qui je suis, voyons. Salut Lila. Salut Nicolas. Vous avez eu la même idée que nous avec cette chaleur. Mangez une glace. En fait, je suis en plein reportage. Une force paranormale a complètement gelé la machine à glace. Paranormale? Je pense qu'il y a une explication tout à fait normale. Allez, on va regarder ça. Normal? N'importe quoi! Mystère et boule de glace! Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Cette machine est encore plus gelée qu'une patinoire olympique. Si on devient super petite, on pourra rentrer à l'intérieur et comprendre le problème. Bonne idée! Super petite! Wow! Regardez là-bas! Le thermostat de la machine est réglé sur la température la plus froide. Si on le remet au milieu, tout redeviendra normal. J'ai ce qu'il nous faut pour arriver jusque là-bas. C'est parti! Accrochez-vous! Génial!